Je suis très heureux d'avoir cette occasion de dire quelques mots à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et je remercie l'Association française des Nations unies d'avoir pris cette initiative. Alors, 70 ans, plutôt des raisons de se réjouir que de se lamenter. Des raisons de se réjouir d'abord parce que sur la base et sur le socle de la Déclaration universelle des droits de l'homme s'est construit un système normatif impressionnant, complet, cohérent. 9 conventions internationales en matière de droits de l'homme, pour la plupart largement ratifiées par les États, qui sont toutes accompagnées d'un comité de suivi, un de ces comités qu'on appelle les comités conventionnels, comme le comité des droits de l'homme ou le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et qui effectue un double travail d'examen des rapports périodiques et d'examen des plaintes individuelles. Et puis à côté de ces conventions internationales, une multiplicité de textes sous la forme de déclarations, de principes. On a donc une architecture normative qui est extrêmement complète et qui est extrêmement cohérente aussi, puisqu'elle découle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et s'inscrit dans ce cadre constitutionnel. Et puis on a aussi, sur le socle de la Déclaration universelle, un système institutionnel qui est foisonnant, plus d'une cinquantaine de procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, ces 9 comités conventionnels donc, qui effectuent un travail de surveillance quotidien et qui fait qu'aujourd'hui, toute violation des droits de l'homme qui intervient dans le monde est potentiellement connue, rendue publique et condamnée. Alors évidemment, ça ne suffit pas à prévenir les violations des droits de l'homme, ça ne suffit pas à éliminer toutes les violations des droits de l'homme et à faire respecter les droits de l'homme dans le monde. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de violations des droits de l'homme, trop, des situations tout à fait dramatiques. Mais si on compare la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ce que nous avons en termes normatifs et institutionnels, à ce qui existait il y a 70 ans, il n'y a pas de point de comparaison. Nous avons des instruments qui sont extrêmement performants et qui sont potentiellement effectifs pour protéger les droits de l'homme. Alors pour autant, il y a des raisons de se réjouir, mais on ne peut pas crier victoire. Il y a encore aussi beaucoup de défis, et le système qui est fondé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme rencontre beaucoup de défis. D'abord, le premier défi, c'est une nouvelle bataille des idées. Une nouvelle bataille des idées parce que les courants intellectuels qui combattent la modernité et qui combattent les droits de l'homme ont à nouveau le vent en poupe. Ils l'ont eu pendant les années 30, dans l'entre-deux-guerres, et aujourd'hui on voit réémerger un certain nombre de discours qui mettent en cause les droits de l'homme, mais plus largement la modernité. Alors, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que ces discours rencontrent un certain nombre de frustrations sociales, un sentiment d'injustice dans la population. Ils sont aussi repris et réarticulés par des mouvements ou des personnalités populistes qui, parfois, arrivent au pouvoir. Il est donc très important de reprendre la bataille des idées, de répondre terme à terme à ces courants d'idées, d'expliquer en quoi, par exemple, les droits de l'homme ne sont pas assimilables au néolibéralisme économique, en quoi les droits de l'homme n'accompagnent pas nécessairement la mondialisation économique et la précarisation sociale. Au contraire, si on remonte aux origines et si on regarde ce que font aujourd'hui les organes de protection des droits de l'homme, ce que disent les textes en matière de droits de l'homme, ils s'inscrivent dans la lignée d'une pensée qui a affirmé, comme René Cassin le disait déjà en 1947, que le travail n'est pas une marchandise. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre de procédures, un grand nombre de normes d'abord, et de procédures qui veillent justement à faire en sorte que les droits prévalent sur les intérêts économiques. Encore faut-il utiliser ces droits, utiliser ces procédures, et continuer aussi à insister pour que les institutions économiques prennent en compte les droits de l'homme. Deuxième grand défi, c'est que les droits de l'homme doivent s'adapter sur le plan normatif à de grands changements qui sont à venir, qui sont déjà en cours.
Un premier changement, qui est déjà perceptible, dont on discute beaucoup, c'est l'apport d'un certain nombre de nouvelles technologies. On pense en particulier aux perspectives qui sont ouvertes en matière de métadonnées, à la surveillance de masse, mais aussi aux perspectives du transhumanisme qui posent des questions sur notre compréhension de notre rapport au monde, mais aussi sur notre compréhension du rapport à ce que nous comprenions auparavant comme étant la nature humaine. Il y a là des questions et des défis qui sont à relever par les droits de l'homme. Un autre défi, c'est le changement climatique et d'une manière plus générale la dégradation de l'environnement qui appelle à repenser notre rapport à la nature, y compris en revenant au fondement des droits de l'homme qui, on le sait, ont une dimension anthropocentrique, sont avant tout centrés sur le bien-être de l'espèce humaine. Donc il faut intégrer dans les droits de l'homme cette nouvelle pensée de la nature et ce nouveau rapport à la nature pour arriver à un équilibre plus satisfaisant des rapports entre l'homme et la nature. Un troisième défi, c'est celui du système institutionnel de protection des droits de l'homme, en particulier aux Nations Unies, qui doit être rénové. J'ai dit tout à l'heure que c'était un système foisonnant, efficace, et en même temps, c'est un système qui, par son développement précisément foisonnant, avec de nombreuses procédures, est devenu de plus en plus illisible, a perdu progressivement en efficacité, et il convient par conséquent de lui apporter un certain nombre de modifications pour maintenir cette efficacité et renforcer encore son effectivité. Alors, trois propositions pour les années à venir. Première proposition, mettre en place un agenda global de présentation des rapports par les États parties au titre des conventions internationales en matière de droits de l'homme. C'est absolument fondamental pour revivifier cette procédure d'examen des rapports, qui est aujourd'hui en partie délaissée par les États. Deuxième proposition, mettre en place une Cour des droits de l'homme des Nations Unies qui viendra reprendre la fonction d'examen des plaintes individuelles actuellement assumée par les organes conventionnels, afin de renforcer l'autorité de cette fonction, de la faire assumer par une cour authentique, à l'identique de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi en vue de renforcer sa visibilité. Et puis, troisième proposition, il s'agirait de créer une commission permanente d'experts indépendants qui viendra reprendre l'ensemble des mandats qui sont actuellement assumés par les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, qui joue un rôle absolument fondamental, en particulier en termes de protection et en termes de publicité des violations qui interviennent de par le monde. Donc voilà trois défis aujourd'hui pour l'occasion à relever dans le cadre de ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les jours et les années qui viennent. Merci.